Bon, salut à toutes et à tous, c'est Orson18. On se retrouve pour l'épisode 2 de Farming Simulator. Donc, Farming Simulator 2017. Donc voilà, promis, comme promis, ben voilà, j'ai fait tout le champ, j'ai fait tous les urbains. Donc j'ai gagné un peu plus d'argent, du coup je suis à 25 000. Donc 5 euros de plus. Enfin, si j'ai pas bien calculé, j'ai pas le dit. Du coup j'ai acheté juste un nouveau matériel. Donc voilà, je me suis acheté le petit chariot. Donc ce chariot n'est pas de base, c'est un chariot en mode. Donc avec Trion vous pouvez aller dans le garage. Donc voilà, celui-là. Franchement, je voudrais. Le prochain mode que je voudrais, c'est un mode chariot, même pour FS19. Enfin, Farming 19 voudrait un chariot qui est beaucoup plus. Qui a une marque beaucoup plus. Par exemple, beaucoup plus. Symbolique, donc je sais pas, un chariot case, un chariot qui. Voilà, un chariot par marque de moissonneuse. Donc voilà, donc c'est une petite mission spéciale. Donc on va aller faire des petites missions. Et voilà, pour gagner du fric aussi, en plus de vendre vos grains et vos véhicules et le lait, enfin la laine et puis. Voilà, et vendre vos tracteurs et vos outils bien sûr, pour faire plus d'argent et vendre vos bâtiments aussi. Vous pouvez aussi vendre du bois, donc voilà. Voilà, le champ est fini. Donc vous essayez de trouver une mission où il n'y a pas de moisson. Il y aura juste, vous verrez, que les missions peuvent être assez longues. On va essayer de, je sais pas, trouver un arrosoir, enfin un arrosoir, une mission où on arrose. Là, on a nos cocottes. Comment ça va, Blanche-Neige? Oh, la Noiraude. Ah, je sais que c'est une vache, la Noiraude. Un de ses miss. C'est une vache qui a plus de tout genre. Voilà, les pépites d'or. T'inquiète pas, mon coq, je vais pas. Je vais pas te la piquer. Je vois que t'es en chaleur. Je vois. T'essaies de la draguer, ta poupoule. Et continue à chanter. Vous avez acheté chanter, il faut pondre maintenant. Donc je me demande bien à quoi il va ressembler le parc des poules là. Non, il fait 19. Vous savez quoi, on va se garer là. Après, ce qui est dommage pour le bois, c'est que vous pouvez pas vraiment couper tout le bois avec la machine. Et spray, enfin la grosse. Enfin, il y a plusieurs machines, mais avec les tronçonneuses, vous pouvez. Alors, ce serait bien ça pour FS19 qui corrige ce machin. On pourrait avoir une variété d'arbres à couper qui rapporterait beaucoup ou moins. Hein? C'est une récolte. Ah, c'est une culture. Donc voilà, vous avez des fermiers. Donc Axel. Alex plutôt. Non, Axel. Non. Et en fait, voilà. Vous prenez ses vi il vous prête des véhicules. Donc à faire. Du coup voilà, ça peut varier aussi. Ah, il y avait ramassé, dommage. Du coup vous voyez un petit peu en démo ce que ça vaut. Donc ça va avoir vraiment le gameplay. Il y a un temps. Ça, vous êtes obligé de déplier. Ah, récolte tout ça. Ah, attends, il y a un problème. Ah si, ça coûte. Ah, mais récolte tout ça, betterave, excusez-moi. Donc les machines sont ensemble, donc voilà. En gros, à l'avant, ben en fait ça récupère, ça coupe les feuilles. Et en l'arrière, ben ça ramasse.
En premier, un truc que je trouve dommage dans l'émission, c'est que voilà, vous pouvez pas bider. Ah, si on peut lever. Alors, les deux possibilités, soit vous commencez avec l'outil, enfin la machine de devant, le petit truc. Et après, vous procédez la grosse, vous vous attachez de garder moins de temps. On passe sur, c'est mieux de faire d'avoir un truc et pour faire de revenir parce que moi, avec, c'est un peu compliqué de tourner. Enfin, même sans. Ma marque préférée, c'est Mass Effect Lucene. Pour cette fois, quand je télécharge les mods sur la version PC, bah, j'essaie tout le temps d'avoir du Mass Effect Lucene. Pas vraiment. Donc cette mission, c'est ce qui va permettre de gagner plus d'argent, beaucoup plus d'argent que si vous vendez des trucs. Bon, au niveau de la 3D, au niveau des graphismes, le jeu, franchement, on peut dire qu'il est dégueulasse comparé au FF15. Le 15, il était pas dégueulasse au niveau graphisme, ce que je veux dire, mais. Ah, déjà c'était beaucoup plus beau qu'on avait dans FF13. Voilà, il y a un cercle vert, enfin un rond qui se remplit, dès qu'il est plein, ben on va finir la mission. Vraiment obligé de les lever, ouais, sauf qu'en vrai, si on faisait ça en vrai, lever les machines, enfin, les engins qui permettent de ramasser les betteraves, sinon ça vous risque de vous poser problème avec le fermier ou si vous travaillez directement. Si vous virez, il y a des machines plus grosses, hein, je vous rassure. Je vous les ai fait montrer hier. Bien sûr, j'ai goûté la mission, je pense que vous en doutez. Si elle n'est pas finie, bah vous ne gagnez pas d'argent, voilà. Vous fermez, vous ne payez pas. De toute façon, en évidence, ça sera toujours pareil dans Farm 19, ou peut-être en améliorer. Une nouvelle mission serait pas mal. On n'a pas de mission pour couper le bois, tiens. Après, je sais pas si dans la nouvelle extension, la canne à sucre qu'ils ont rajouté, la culture de l'émission avec la culture de la canne à sucre et puis le bois, enfin le bois à fer.
franchement c'est sympathique de récupérer les betteraves. Je crois que les trucs les cultures qui vont rapprocher le plus, c'est les patates, les betteraves, le bois, le tournesol il me semble. Puis le maïs. Et le colza il me semble. Quelque chose. On a bien fait, on avance bien. Donc ça, les champs, les ambitions sont, donc c'est les fermiers qui vous proposent des missions, qui les sèment, enfin qui s'occupent. Puis vous avez juste à faire quand, si par exemple évidemment il faut arroser, bah c'est vous qui allez voir le champ puis vous proposez quoi. Pas y arriver, c'est pas possible. Allez, c'est pas, allez, c'est parti, c'est parti. Quart de la moitié quand même. Du temps. Peut-être déjà la moitié. Franchement c'est mieux d'avoir une grosse machine parce que là on se fait chier quand même à faire la mission. C'est sympathique ce tracteur massé, enfin, ce moyen tracteur du moins.
tellement vite le temps. Encore le temps pour le temps, la fin du temps, enfin le rond, ça va, c'est pas très vite hein. Peu de vide intérieur. Allez, on a presque fini la mission. Un petit peu lent. Ah, il est champ plus petit, donc le temps est le temps et moins et moins. Enfin, le temps passe plus vite quoi. Enfin, le rond vert du moins. Désolé, j'arrive pas bien à expliquer. Hein. Allez. Vraiment, ce là on aurait dû déjà vider. Hein. Ouais. Bon, c'est quelques tours. Ce sera bien. Avec leurs grands roues, avec les grandes roues des tracteurs, ils arrivent, ça écrase pas. C'est bizarre. Alors, on est un petit peu plus grand. Il y a plus de trucs. C'est parti, c'est donc Kiki. Allez, un peu plus vite s'il vous plaît, j'ai envie de gagner du pognon. Donc, je pense que dans le principe ce serait de faire du bois, comme ça on gagnera beaucoup plus de fric. Je pourrais avoir un des trophées qui me manque. Il me manque deux. Il manque, si j'arrive à un battre 50 arbres, et s'ils arrivent à comment dire, aider au moins une fois des ouvriers. Voilà, dans la map, on peut avoir plusieurs champs. Mais voilà, dans les champs, ah, ça peut être le champ du même fermier, quoi. Castel, il peut être à l'on champ en face, ou on sent les colza. Ça commence.
j'enregistre un petit peu. Voilà. Là, tout le pognon qu'on a gagné, c'est pas mal. On va s'occuper du champ que là, on va juste faire deux petits tours. Ah non, merde, c'est du tournesol. Ça fait penser au dessin animé Antaro. Graine tourne. Si tu as des amiraux, monte à la surface. Franchement, c'était un de mes pro. Un de mes premiers mangas que j'adorais regarder. Et non mais moi je veux pas te mettre dans l'engrais. Voilà, attends. Voilà, vous voyez, vous pouvez varier. Voilà, si on pouvait varier un peu le tracteur. Là, les roues sont pas du tout pareilles, c'est des roues exprès pour passer dans les champs. Donc voilà, il y a les rétroviseurs qui marchent. Donc le temps seul qui est complètement bugué dans la, à l'arrière quasiment du tracteur. Et voilà, regardez la magie. C'est juste un ou deux tours. Par contre des trucs comme ça c'est un peu chiant. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Donc de l'eau. Vraiment ce truc là. C'est un. C'est de l'eau et puis un produit chimique dedans, il me semble. Qui est dedans. Donc c'est pas très bon pour la santé pour les plantes. Alors ça les aide à grandir un peu plus vite, à avoir une bonne plantation. Mais franchement, c'est pas très bio. Là par contre c'est un centre que j'ai vu derrière. Donc c'est un peu compliqué de savoir où vous avez arrosé ou pas. On va faire un petit effet de mouille. Un petit truc que j'aime pas trop faire. Enfin, c'est facile mais. Voilà. Ça va arroser, si vous voulez vraiment voir le truc, il faut mieux que le pire soit assez bas. Assez bas plutôt. On va s'arrêter là pour le deuxième épisode de Farming. N'hésitez pas à vous abonner à la prochaine vidéo, c'est pas d'affaire. Donc, à plus. Désolé de faire une vidéo courte, mais je pense que Farming sera des vidéos courtes. J'ai juste le premier épisode, je faisais assez long. Donc c'est pas vraiment une aventure avec un mode d'histoire.
vous gérez votre propre ferme, puis c'est tout. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la prochaine vidéo, c'est pas fait. Sur ce, à plus.